Il y a quelques mois, il y avait pas mal d'interrogations autour de l'équipe de France. Elle est trop jeune, elle est trop ceci, pas assez cela. Maintenant, eh bien, tout, a, tout a changé, puisque la question que l'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'équipe de France peut remporter le tournoi destination et même, pourquoi pas, euh, décrocher le, le grand chelem Pour en parler euh, avec nous, Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef à Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Et euh, M. Larry, Frédéric Larry, chef des sports euh, à, à, à Sud-Ouest. Bon, on faisait un petit peu le tour. L'Italie, c'est fait. L'Angleterre, c'est fait. Pays de Galles, c'est fait. L'Écosse. C'est fait. Non. Ah bon, bon voilà, C'est si, comme, comme, si si comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Non, non, c'est pas comme si c'était fait. En non, là, c'est voilà, step by step pour, pour parler comme nos amis britanniques. Mais il faut euh, prendre les matchs les oui. uns après les autres. Quand on, vous l'avez dit, Bastien, quand on, quand on se rappelle d'où revient l'équipe de France, et en est particulier ça. dans le tournoi, il ne faut pas trop s'emballer. Mais le fait est que là, désormais, cette équipe de France, elle est favorite pour le match de dimanche, c'est clair. C'est elle qu'on attend comme vainqueur et euh, donc qu'on attend comme susceptible de se placer en ayant gagné en Écosse dimanche dans la peau d'une équipe qui jouera le Grand Chelem euh, si tout va bien et si euh, le coronavirus le veut bien. Ah, c'est ça. Le dimanche suivant, euh, on pas le dimanche suivant, c'est le, le samedi fait, soir, c'est le samedi à 21 h contre l'Irlande. avec c'est fait. Non, non, c'était une boutade, c'est ah pas bon? fait du tout, parce que justement, le, les, les personnes ne rigolent hein, contre l'Écossais, euh, l'Angleterre n'a pas rigolé, a gagné 12 à 6, euh, après avoir eu un match euh, sacrément difficile, euh, donc l'équipe de France devrait être à fond, hein, une fois de plus, pour... Euh, pour 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 emporter ce match mais c'est pas fait d'avance il y avait, y avait, non, clair. Y avait un, un papier encore une fois un papier intéressant euh, dans sud ouest justement sur cette équipe de france et ses atouts semble-t-il depuis le début de ce tournoi c'est qu'elle commence très très fort euh, ces matchs en ayant un impact physique euh, impressionnant sur ses adversaires ça va le faire ça aussi ça va jouer fort et gros hein, devant encore Enfin, il faut l'espérer, mais ce qui est à peu près évident, c'est qu'il est, il est plus que probable que le staff de l'équipe de France et ses joueurs aient basé une grande partie de la stratégie là-dessus, parce que d'autant plus que les Écossais, eux, ne démarrent pas bien les matchs, statistiquement, hein, c'est toujours pareil. Donc, euh, cette équipe de France-là, c'est une, une quasi-certitude maintenant. Je pensait que la patte de ce staff, c'est d'avoir justement insisté, on l'a vu, ça peut paraître comme des détails, mais euh, ils ont instauré, notamment, ont instauré notamment un échauffement beaucoup plus pointu qu'il ne l'était autrefois, c'est-à-dire que désormais. Les joueurs ont une phase d'échauffement qui est presque millimétrée, chronométrée, pour qu'ils qu rentrent dans le match de manière beaucoup plus efficace. Jusqu'à présent, à chaque fois, c'était une vraie réussite, dans les trois premiers matchs de ce tournoi, en tout cas, ça c'est certain. Et après, par ailleurs, on a, on a vu qu'ils ont aussi fait des progrès, parce qu'il les, les, y a au moins deux matchs où ça s'est vu, même si contre l'Angleterre, on s'est fait un petit peu peur, contre les, les Gallois aussi. Sauf qu'à l'arrivée, les Français ont tenu le choc sur la durée totale du match. Il y a des joueurs, c'est assez symptomatique. Comme l'exemple le plus flagrant, c'est Grégory Eldrit, le troisième ligne centre de de la Rochelle, originaire du Gers, était un joueur qui avait la réputation de tenir à haut niveau 60 minutes. Et là, depuis le début du tournoi, il joue 80 minutes, 80 minutes à fond, sans, et sans et baisse de niveau dritte, hein, -dire Et c'est à il, il, y va, comme on dit. Hein. Par ailleurs, il a été, à chaque fois, par, parmi oui, les meilleurs. Parce que l'équipe de France précédente enfin, commençait bien ses matchs, faire enfin, oui. les premiers mi-temps, qu'elle menait souvent assez largement. Mais le problème, c'est qu'elle tenait pas la, la, deuxième, la distance. Tout le, monde, et tout le monde était donc, comme ça. Et puis hein. là, je pense que le, le staff aussi insiste beaucoup sur l'importance des joueurs qui, qui sortent du banc mmh. en les appelant notamment les finisseurs, les finisseurs. Ce qui, ça peut prêter à sourire mais c'est pas tout à fait anecdotique, ça, ça montre maintenant que ces joueurs là sont, euh, sont aussi euh, très importants on le voit à, à l'UBB aussi où parfois euh, des joueurs euh, qui, sont, qui pourraient être titulaires sont mis sur le banc parce qu'ils ont la, la capacité à bien finir et, et en équipe de France j'ai l'impression que c'est la, la même manière on privilégie aussi les, beaucoup les fins de match aussi dans la composition d'équipe, dans le coaching, et ce qui fait que l'équipe de France finit mieux ses matchs qu'auparavant. Fred a raison, c'est même, même une donnée du rugby moderne aujourd'hui, parce qu'on le voit à tous les niveaux, à ah, haut niveau. Mais il euh, y a un exemple, Fred parle de l'UBB, dans le match du UBB, UBB Castre de, du, du, de Top 14 de la semaine dernière, Castre a carrément choisi de faire rentrer ses 8 joueurs, 8 joueurs remplaçants là. à la 45e minute. C'est que... la première fois que qu qu Arnaud ah le faisait. Qui, qui le tentait, mais c'est bien, bien la preuve que... Et ça, bah, et ça a failli marcher en plus. Et ça, ça, et même ça a plutôt marché parce que Castres, ouais. qui est 12e, 11e du championnat, qui ramasse le bonus défensif en faisant peur jusqu'au bout aux leader à peu près incontesté. c'est bien que ça a, ça a eu ça. Il y, y a eu une phase efficace en tentant cette. Donc tout ça pour dire que désormais, plus que jamais, la, le, la, la, la tarte à la crème qui consistait à dire les matchs gagnent à 23, etc. C'est une vraie réalité. C est, c est. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, messieurs, qu'il y a vraiment un changement de coaching très net, très profond, très, très évident, très visible depuis qu'il y a Galtier Oui, c'est clair. Parce qu'il y a une rupture, vraiment. Hein, parce Alors que là, on a vraiment le sentiment qu'il y a clairement avant et, et, et après, quand même. Hein. Il y a vraiment une façon clair. complètement différente et de jouer et de préparer. Mais rappelez-vous, bah si on, a, on a, ça fait un petit moment qu'on commence à le dire, on a commencé à le dire pendant la Coupe du Monde, c'est pas que Galtier. Ouais. c'est ouais. très important, évidemment. Le rôle de Galtier n'est surtout pas négligé c'est D'abord, c'est le, le patron, c'est le, 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 le boss du staff. Il y a Raphaël Ibanier de ses côtés qui est un autre boss dans le staff. Ouais. Et il y a surtout dans ce staff-là, ça on l'a dit répété, les plus grosses compétences jamais réunies dans un staff entraînant une équipe de France. C'est-à-dire Laurent Labitte pour les arrières, William Servat pour les avant, Karine Gaisal pour la touche, Thibaut Giraud, le préparateur physique, Sean Edwards, ouais. chargé de la défense. Toutes ces compétences-là qui sont franchement les meilleures. Ou pas loin de manière à peu près incontestable en France et peut-être peut même au-delà de la France, c'est la première fois que c'est là. Alors c'est sous la coupe de Galtier. Et je le répète, Eddie Bagnès qui joue un rôle bon, peut-être moins technique, mais de manager et de management important aussi. Donc oui, ça c'est manifeste. Ça veut dire, dire Jean-Pierre Dorian que, que depuis très longtemps tous ces hommes existent. On sait que ce sont parmi les meilleurs et que jusqu'à présent personne ne les avait remis euh, ouais, au, au de service g... de l'équipe de France. Enfin, c'est affaire de génération. Après, si vous si, si, si vous si vous aviez demandé, même je crois qu'on l'a dit ici à plusieurs reprises, je pense qu'une des erreurs de, de, des différents euh, présidents et autres dirigeants de la fédération française des dernières a, des années a consisté à dominer des gens qui n'étaient peut-être pas à leur place, et maintenant, en euh, attendant de savoir que la présence de ce staff le démontre. Après, il fallait euh, que, la, que la situation politique aussi, et c'est pas, ouais. ouais. pas un vain mot, s'y prête, et aujourd'hui, c'est le cas. – Il y avait aussi la... la le fait que les contrats pour Laurent Labitte bon il était plus ou moins en fin de contrat euh, Sean Edwards aussi euh, avec absolument. le pays de Galles bon il y avait aussi le fait que les ces, ces gens-là étaient disponibles exactement. il y avait il y a la volonté exactement. politique puis il y a le, le fait que alignement des étoiles exactement donc c'est effectivement et, et, et euh, du coup là les compétences sont sont à leur place et, et attention n'oublions pas parce que c'est évident que ce staff a son rôle mais euh, il y a les joueurs sur le terrain qui sont quand même on là aussi on a commencé à le dire à le répéter ils ne sont plus les mêmes tout à fait les mêmes que ce qui était là, enfin, là il y a un an, ce n'est plus du tout les mêmes. Hein, voilà. En tout cas, clairement, c'est vrai qu'au niveau ne serait-ce que de la préparation physique, même les, les présidents de club le disent. Hein, les, ouais. les joueurs de l'équipe de France, quand ils rentrent, ils sont absolument et totalement rincés. C'est du très, très haut niveau. Et puis, la, et puis Galtier, pardon, a la, eu ouais. l'avantage la, la, la de, de suivre ce groupe pendant la, la Coupe du Monde, sans être le, le patron, et de voir déjà, de se faire déjà une petite idée de, des forces en présence de test de d'intégrer aussi euh, il y avait Laurent, Laurent Labit je crois absolument, qui était absolument. et Thibaut Giroud donc déjà de c'est s'intégrer à petite dose et puis et puis euh, effectivement il y a comme disait Jean-Pierre il, il y a une génération euh, issue des champions du monde u euh, euh, qui, qui est exceptionnelle hein. enfin on a ouais, ouais. Une belle ça, ça, on peut pas le négliger non plus hein. ah, c'est la ouais. génération des des Ina des qu'on sort un petit peu pour faire le parallèle avec le foot non mais le staff le staff il a il a, il a... oui peut-être mais c'est surtout c'est surtout l'équivalent d'une génération comme celle que Ibanez et Galtier, il y, a, il y a un peu plus de 10 ans, enfin, pour la peine, ils ont démarré, eux, il y a 20 ans, mais enfin, jusqu'à il y a dix ans, c'était cette génération-là qui a porté sur une, toute une décennie le rugby français. À, enfin, dans les trois meilleures nations mondiales sur cette décennie-là. Allez, un, un petit coup d'œil euh, maintenant sur sur cette équipe de France. Le départ de Teddy Thomas fran, pas franchement une surprise. Il passe à côté de son tournoi, notamment en défense. Hein, il, il, il est pareil, oh, Il, il est surtout passé. Mal. Il est surtout passé à côté de son match au Pays de Galles. Au Pays de Galles, il est vraiment passé complètement à côté, à, présent, il à la là, maison. C'était pas flagrant, mais là, au Pays de Galles, il a quand même aucune eu... fugueurance. Enfin, fait, c'était le, le problème, c'est ouais. qu'il a pas compris. Enfin, il a, il a attendu sur, sur son jeu d'attaque et il n'a pas, pas apporté de plus. <laughs> Alors, bon, si, la balance du coup est négative. Bon, la défense, on sait que ce n'est pas son fort. Là, ça s'est encore plus euh... vu, mais si s'il pense par une ou deux fulgurances ou un essai ou un essai, on l'oublie. Ouais. Euh, ah ben là, là, euh... là, 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 on ne l'a pas vu. Donc 100% d'accord, euh... Fred. C'est ça. Le, mmh. Ce qui fait qu'il sort de l'équipe là, en mon sens, ce n'est pas tant ses errances en défense qu'on connaît. C'est parce qu'il n'a pas été le. C'est parce qu'il a clairement il pas beaucoup d'occasions au Pays de Galles, mais il a deux occasions où le jeu. Joueur qu'il est parce qu'il est là pour ça parce qu'effectivement c'est un c'est un, un absolu surdoué dont on parlait as dit Thomas mais il a deux ballons avec sa nonchalance parfois agaçante qui négocie mal à, parce que s'il marque deux essais il peut se rater trois fois en défense tout le monde va oublier grave, ouais. Ouais, oui. alors que là le problème c'est que on sait que enfin, on sait le staff le sait nous, nous, nous qui observons on le sait un peu aussi qu'il a ces carences là qu'il a ces énormes qualités d'attaquant si ses qualités d'attaquant prennent le pas sur ses errements défensifs, on oubliera tout ça. Là, le problème, c'est qu'il a, il a, il a, il a multiplié les errements de défense et il n'a rien produit en attaque. Le retour de Jefferson Poirot, qui lui aussi avait été sorti du groupe face au Pays de Galles, là, qui, euh, qui revient. Titulaire. Ouais. Titulaire, en plus. Oui, c'est vrai que je... Enfin, on... C'est vrai qu'on on a, on a pu être un peu surpris qu'il qu soit dégradé. comme ça, ça hein, vraiment dégradé. PNC, parce il, il, était il est passé bref, de ouais, quasiment ouais. de vice-capitaine pendant la, la Coupe du Monde ou, ou futur euh, vice-capitaine, potentiel, euh, potentiel euh, voire euh, capitaine, à euh, pas, dans les, pas dans les 23. Donc c'était assez surprenant, mais peut-être que c'était une manière, euh, je n'ai pas d'infos là-dessus, ouais. mais euh, de, aussi de le rebooster, de, de le remettre peut-être à sa place aussi, de le remettre à lui faire comprendre qu'il est un simple soldat et qu'il faut... Euh, voilà. Moi, mon petit ouais. doigt me dit que c'est une info, ça. C'est-à-dire <laughs> que je, je pense qu'il y a du, ouais. du management. Ouais. Voilà. Euh, D'abord, je pense qu'il euh, doit, euh, premièrement, au fait que Cyril Bay, qui est, a priori, oui, dans l'esprit des sélectionneurs, le, blé, le, le meilleur, est blessé. Et après qu'il revienne en numéro 1, il y a une vraie part de logique, parce que Jean-Baptiste Gros, c'est probablement l'avenir, mais il a 20 ans. Euh, le balancé titulaire là-bas, il va jouer, il va rentrer, non selon le principe qu'on évoquait ouais, ouais, précédemment. Cas, ouais. Il va rentrer, c'est sûr, il va jouer les 20 dernières minutes mais Jefferson Poirot et le staff l'avait bien dit il n'était pas écarté mais à un moment donné il ne peut pas y avoir non plus trois piliers gauche sur la feuille de match Donc, ça même, fait beaucoup ça fait un peu beaucoup ça commence à faire beaucoup euh, de qui faut-il se méfier par rapport à cette équipe écossaise son type de jeu brouillon certains disent que ça peut être justement un problème pour l'équipe de France que ce soit une équipe un peu brouillonne l'Écosse ouais, c'est que... un peu enfin brouillon c'est disons que ça... ça ça fait feu de tout bois c'est un peu effectivement un peu atypique parce que voilà, c'est. A... On ne peut pas dire qu'il y ait une, enfin, une grosse un caractéristique. De jeu, ouais. voilà, les ouais. Écossais, Définir le style, de, le style de jeu, c'est un peu compliqué. Ouais, compliqué, ouais, compliqué mais <laughs> mais historique... mais ça peut partir. Euh... Ça veut dire qu'il n'y en a pas ou... Non, ben, ouais. historiquement, ouais. et c'est toujours <laughs> ouais. vrai, historiquement, le, le, les, les Écossais sont, sont, sont qualifiés dans le internationale international comme des, des, les All Blacks du Nord. C'est très, très élogieux pour eux. Mais c'est vrai qu'ils ont un jeu qui est basé sur le dynamisme, euh, sur, 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 sur l'absence de leur qualité naturelle. Ils ont historiquement. Pas des gros gabarits, pas une conquête très, très, très efficace. Donc, euh, le moyen qu'ils ont eu à travers les temps d'exister, c'est de, de créer du jeu, de produire du jeu, de la première à la 80e. Ce sont des joueurs qui sont prêts physiquement. Euh, ce sont des joueurs qui ont du talent. Stuart Hogg, leur capitaine arrière, est, est un vrai. Euh, c'est un vrai, vrai, vrai euh, Facteur X. C'est un vrai super joueur. Quoi, voilà. euh, après, ils n'ont pas énormément d'autres talents, mais ils ont des joueurs de, de très bon niveau. Et surtout, ils ont une équipe quoi, qui tient la route. Si, objectivement, les Français les prennent dans le bon sens, euh, en pratiquant le jeu qu'ils pratiquent, est, qui est assez sécurisé, sécurisant, hein, les Français, c'est pas très compliqué, le jeu qu'ils font. Hein, ils essaient de s'appliquer sur la conquête, d'occuper le terrain de jouer les ballons qu'ils ont à jouer et de défendre comme des morts de fin. Alors justement, des, on va terminer là-dessus avant votre pronostic, bien évidemment, hein, parce que vous n'y échapperez pas, vous le savez. Euh, des, des progrès aussi par rapport à des secteurs clés comme la touche et, les, et, et la mêlée. Là, il y a eu de vrais progrès hein, lors du, du, du match précédent. On pouvait un petit peu s'inquiéter face à, à, à l'Angleterre dans ces domaines de jeu. Là, ça vous a rassuré, ce que vous avez vu Ah ben bah, c'est 100%. En voilà. le Pays de Galles, la touche c'est 100%. Voilà. Et la mêlée c'est 100%. C'est-à-dire que tous les ballons que les Français ont eu sur leur mêlée, ils les ont... Gagnés. Gagner. Et tous les lancers français, c'est 100% de réussite, quel que soit le lanceur, parce qu'il y en a eu deux dans le match. Donc, Donc ça, ça va bien. Ah oui, ça va beaucoup mieux, parce qu'ils avaient quelques difficultés contre les Anglais, qui les avaient pas mal contrés. Ils avaient de grosses difficultés contre l'Italie, qui ne mmh. les avaient même pas mmh. contrés, mais c'était plus un peu de négligence. Ça prouve une chose, toujours la même. C'est que je pense que cette équipe de France qui est faite de vrais talents, on le redit, au-delà des, des, des qualités du stuff, je, je, je redis mmh. que c'est quand même parce qu'il y a des très bons joueurs sur la pelouse que ça se passe bien. Euh, mais le, le, la clé du match en Écosse, pour moi, c'est le niveau d'implication, de, de concentration que mettra cette équipe-là à vouloir gagner en Écosse. Et ce que je crois, ça on se l'est déjà dit ici, notamment sur ce, dans ce studio, Bastien, bah hein, c'est que y a, y, cette, la qualité première de cette génération-là, c'est que ce sont, ce sont des vrais joueurs de rugby dans leur, dans leur complétude, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement aussi la capacité à monter leur niveau quand le niveau l'exige. Voilà. Donc ça passe oui, oui, si l'équipe bon. de, si de France est à son niveau, notamment en défense, normalement, l'équipe d'Écosse devrait s'épuiser, buter sur un mur, et dans les 20 dernières minutes, parce que le, le réservoir est peut-être moins important en Écosse, comme souvent, baisser de pied, la France faire la différence. D'autant plus qu'en Écosse, il n'y a pas Finn Russell non plus, qui est quand même oui. euh, le, le, un des fact le deuxième factor X, oui, le joueur du, du Racing, qui est, qui est fâché avec le, le staff. Oui. Et, euh, mais je pense que si l'équipe de France est, est à son niveau en touche, mêlée, conquête, sur ses bases et en défense, voilà, à un moment, l'Écosse va baisser et, et la France a les qualités derrière pour. Voilà, pour donc vous avez le résumé déjà du, du match euh, <laughs> par Fred Laris Non, mais bon, voilà. c est, c est plus <laughs> il y a plus de puissance côté français, ça c'est une certitude, et il y a plus de talent, donc normalement bon. il n'y a pas match. Donc bah, écoutez, je vous propose que la, la semaine prochaine, nous revenions sur cette victoire Donc, <laughs> face à, à l'Écosse avant d'abord de notre match capital Irlande. Hein. Absolument. Ah, ça va trop chose. Merci messieurs, bon match. Merci. Merci.